Bonjour et bienvenue dans ce vlog routine matinale. Merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow. Et ce matin, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ma routine matinale, sachant qu'en ce moment, je suis en train de travailler à consolider mes routines quotidiennes existantes. Puis ensuite à en rajouter petit à petit, on en parle dans la bulle nomade du mois de mars 2024 si ça vous intéresse. Si c'est pas encore sorti au moment où vous regardez cette vidéo, ça sortira courant du mois, je vous invite à aller voir ça. Du coup, la première étape qui consiste à consolider les routines existantes, là je vais vous montrer spécifiquement la routine matinale. Quand je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est de me préparer un café. Et depuis quelques années maintenant, j'accompagne ce café avec de la lecture de fiction. Pour avoir cette espèce de bulle en début de journée, où quelque part je me réveille en douceur, je lis quelque chose qui est agréable, qui me permet de m'évader un petit peu, qui permet de prolonger le côté un peu imaginaire qu'il y a dans les rêves aussi. Et ça permet de, comment dire, de faire le lien du sommeil au réveil de manière douce et sereine. Pour l'avoir vécu dans le passé, quand j'essayais de me lever le plus tard possible et que je me précipitais dès que j'avais le pied par terre, hors du lit, ben je trouve que ça me mettait en tout cas pour moi une espèce d'ambiance stressée dès le début de la journée, comme si ça disait à mon cerveau aujourd'hui on n'a pas le temps, faut qu'on se précipite, faut qu'on se dépêche, et que ça garde cette énergie quelque part tout au long de la journée. Et du coup j'ai remarqué que l'inverse était vrai aussi quand je me lève un peu plus tôt et que je prends le temps d'établir ce cocon là dès le début de la journée, et bien ça me met dans une énergie d'avoir le temps de profiter de la vie, d'être sereine et d'aborder chaque activité suivante de la journée, qu'elle soit agréable et récréative ou pas, de manière beaucoup plus douce et beaucoup plus sereine. Du coup ça c'est un petit peu sacré. Et alors là ce matin, c'était le moment de commencer une nouvelle histoire de fiction parce que j'ai lu 3 livres auxquels j'ai mis 5 étoiles d'affilée. J'ai lu une novella dans l'univers de Kate Daniels, qui reste ma série d'urban fantasy préférée au fil des tomes que je lis, ça devient de mieux en mieux. J'ai lu une romance de fantasy adulte qui s'appelle Phoenix Unbound par Grace Draven, qui a un équilibre parfait entre intrigue, univers et personnages. J'ai adoré. Et j'ai lu un petit ovni qui s'appelle Half a Soul par Olivia Atwater, qu'elle décrit comme un conte de fées de la Régence. La Régence, ça veut dire début du 19e siècle en Angleterre. Et c'est exactement ça. Je les ai adorés tous les trois. Du coup, il y avait un petit peu la pression sur le prochain livre de fiction que j'allais commencer ce matin. Parce que si je vais vers un livre que j'espère aimer, et bien, vu que j'en ai adoré 3 juste avant, je risque de le juger un petit peu durement et d'être déçue. Et d'un autre côté, ben, j'ai envie de continuer à lire des bons trucs, quoi. Du coup, j'ai commencé une novella qui s'appelle Pia Does Hollywood par Thea Harrison, qui est une novella dans une série de 3. Autour, donc c'est dans l'univers Elder Races, qui est une urban fantasy un petit peu romantique que écrit Thea Harrison depuis 20 ans. Et là c'est le couple du tout premier tome qu'on retrouve dans une série de 3 novellas, où du coup ça fait un petit peu hors série, ça fait un petit peu on va avoir un aperçu dans la vie de ce couple avec leur enfant, etc. Et du coup je me suis dit bah voilà, c'est familier, là c'est la deuxième novella, en plus j'ai déjà lu la première. Je me suis dit moi je risque pas grand chose en me tournant vers quelque chose de familier. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur toutes ces lectures-là, je pense que je vais en détailler certaines dans le prochain point d'artiste. Et puis vous pouvez toujours aller voir mon compte Goodreads si vous voulez voir un petit peu les reviews que j'écris sur les livres que je lis, sachant que les livres que je lis en anglais, j'écris une review en anglais, et les livres que je lis en français, j'écris un avis en français. Cela étant dit, une fois que ce cocon est terminé, vous pouvez vous imaginer que j'ai pris la caméra une fois que ce cocon-là a été terminé pour moi.
Donc ça, c'était la partie de la routine que j'ai maintenue au fil des années. Malgré mon épuisement depuis le printemps 2022, etc., le café et la lecture, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée. Et justement, le but, c'est de partir du cœur des habitudes qui se sont maintenues, de les solidifier. Donc là, il y a quelques semaines, vous avez dû le voir en vlog, j'ai refait un petit peu tout ce coin avec la petite étagère qui a la pile à lire physique, le petit endroit où poser mon café, etc. Donc ça améliore un petit peu la qualité de cette routine. Là, vous le voyez pas parce que vous avez toujours la caméra dans l'autre sens, mais face à moi, il y a la verrière. Ce qui fait que je peux lire et boire mon café avec une vue sur le ciel, sur le soleil qui est en train de se lever, etc. C'est hyper agréable. Les couleurs dans les nuages au petit matin, c'est hyper hyper agréable. Donc une fois après avoir du coup amélioré l'environnement pour cette routine-là, donc ça fait quelques semaines maintenant, eh bien il est temps d'ajouter un petit peu des choses. Et du coup là, depuis le début du mois, j'ai repris la lecture de non-fiction que j'avais arrêté depuis bien une année. Parce que j'en ai beaucoup beaucoup lu depuis mon burn-out, enfin j'en lis beaucoup depuis de toute façon plus de 15 ans, mais j'en ai beaucoup beaucoup lu depuis mon burn-out parce que j'avais comme une soif de connaissance, de compréhension, de refaire un peu mon imaginaire intérieur, etc. Et là j'ai eu besoin au contraire d'une pause pendant quelques temps. Et là l'envie de m'informer, de me documenter, de lire des choses, de nourrir mon imaginaire intérieur avec des nouvelles idées est revenue. Du coup, j'ai décidé de reprendre la lecture de non-fiction, mais après le premier café. Parce que le premier café, comme je vous disais, il est un petit peu sacré, vous voyez. Donc après le premier café, si j'ai du temps, du coup, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu moins prioritaire, on va dire. Si je ne suis pas tenue de me rendre quelque part, etc., ça va être le moment de lire un ou deux chapitres de non-fiction. Et ce matin, c'est la journée où je commence des nouveaux trucs. Parce que hier matin, j'ai terminé Effortless, Zéro Effort, par Greg McKeown. Du coup, je l'ai terminé, je l'ai rangé. Et là, je vais en sélectionner un nouveau. Comment je sélectionne mes lectures de non-fiction? Bah déjà, en fonction de ce qui m'intéresse en ce moment, de ce qui m'intrigue en ce moment. Donc ça va être quelque chose qui est depuis longtemps dans ma pile à lire et que j'ai hâte de commencer à lire. Soit au contraire, c'est quelque chose que j'ai découvert ou qu'on m'a conseillé il n'y a pas longtemps. Et qui est en rapport aussi avec ma problématique du moment, si vous voulez. Du coup là en ce moment en tant qu'artiste indépendante, la problématique du moment en termes d'imaginaire intérieur, c'est comment j'existe en tant qu'artiste indépendante. Donc indépendante ça veut dire artiste, professionnel, entrepreneur, où je consacre du temps, de l'énergie à mon art et où la question du revenu se pose, parce que pour pouvoir continuer à y consacrer du temps et de l'énergie, il faut bien trouver une manière de gagner de l'argent. Parce que si c'est une autre activité qui prend tout mon temps pour gagner de l'argent, bah j'ai plus le temps de créer comme je voudrais, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un peu cette question de, en tant qu'artiste, indépendante, entrepreneur, comment est-ce que je me positionne par rapport à tout ça? Et aussi la question de comment est-ce que j'aligne tout ça avec mes valeurs? Parce que c'est hyper important pour moi de vivre en accord avec mes valeurs et de trouver des solutions avec lesquelles je suis profondément alignée. Donc voilà, c'est mon grand questionnement du début d'année 2024, puisqu'en ce moment, j'ai de l'argent de côté, j'ai du temps. Le marché du jeu vidéo est un petit peu lent en ce moment, ce qui fait que j'ai pas tellement de missions de communication dans le jeu vidéo. Donc ça me laisse le temps de faire autre chose. Du coup, je me dis, ça peut être pas mal de nourrir mon imaginaire intérieur avec différentes choses. Et en fait, j'ai sélectionné deux livres. Donc le premier livre s'appelle Art, Money, Success. Je ne me rappelle plus du nom de l'autrice qui a écrit ça, mais je vous le mettrai en description. Qui est un livre, apparemment, ça me fait un peu penser à Comme par magie d'Elizabeth Gilbert, sauf que Comme par magie, c'était plus sur le côté oser créer. Et là, Art, Money, Success, j'ai l'impression que c'est un livre qui est autour de oser diffuser son art, oser gagner de l'argent avec son art. Et oser quelque part penser en termes de carrière d'artiste, etc. Je ne l'ai pas encore lu, hein, mais... apparemment c'est un petit peu ça l'angle du livre. Donc Art, Money, Success ça veut dire art, argent et réussite. Et du coup je me dis que ça peut être pas mal, voilà, de voir en termes d'imaginaire intérieur comment ça se passe, ce qu'elle conseille. Je me suis toujours un peu méfiante des bouquins américains comme ça parce qu'on
n'a quand même pas tout à fait la même culture ici, mais ça peut au moins planter des graines parmi lesquelles je choisis des choses. Et le deuxième livre que j'ai sélectionné, que j'ai pas encore acheté, s'appelle The Death of the Artist, donc la mort de l'artiste, avec un sous-titre hyper long autour de la question de des artistes de carrière à l'époque des millionnaires et des grosses entreprises de tech. Et donc là, c'est l'approche un petit peu opposée, enfin c'est quelque chose de beaucoup plus sociétal, si vous voulez. Art Money Success, c'est un petit peu un peu développement personnel de l'artiste pour oser gagner de l'argent, etc. Et ce bouquin-là, j'ai l'impression que c'est plus sociétal, c'est quel est l'avenir de l'artiste de métier lorsqu'il y a des énormes compagnies comme par exemple Kindle Unlimited, comme par exemple Spotify pour la musique, Netflix pour tout ce qui est audiovisuel, toutes ces grosses entreprises qui ont un petit peu changé le marché de la culture de manière générale. Puis je sais pas si par des IA dedans, parce que je sais pas quand est-ce qu'il est sorti ce bouquin. Et c'est vrai que ça peut aussi poser la question des IA qui viennent faire une concurrence déloyale sur la partie opérationnelle de certaines activités artistiques sur lesquelles les artistes comptent ou comptaient pour se faire des revenus. Anyway, du coup, c'est deux bouquins qui sont assez complémentaires sur la question, qui vont être très probablement mes deux prochaines lectures de non-fiction. Sur ce, et donc voilà, vu que j'ai envie de reprendre cette habitude, c'est parfait de la coller à ma première habitude du café du matin. Je vais aller mettre ça dans ma liseuse, j'avais oublié que j'avais pas encore mis, et commencer ma lecture.
Bah, nous voilà arrivés à la fin de toute cette séquence de routine matinale. Comme vous pouvez le voir, la toute dernière étape avec le bullet journal, c'est un petit peu ce qui fait le lien entre le début de la journée, on va dire plus personnel, de prendre soin de l'artiste, etc. Et ça fait le lien avec la journée de travail qui va commencer, puisque du coup, j'ai réfléchi un petit peu, je vous ai pas montré, mais j'ai réfléchi à mes créneaux de la journée, si vous voulez, en regardant mon Google Agenda. Et du coup, je me note des tâches ou des créneaux à suivre dans le bullet journal. Et vous avez vu qu'entre-temps, je me suis habillée, et puis en fonction du style de vie que vous avez, ben, peut-être qu'entre-temps, vous allez emmener vos enfants à l'école. Voilà, ça dépend vraiment du quelque part du mode de vie que chacun d'entre nous mène. Moi qui suis artiste indépendante, qui travaille de chez moi avec une liberté d'organisation de mon temps, voilà comment ça commence. Et du coup, là maintenant, ce qui va se passer quand j'aurai terminé de tourner cette vidéo, c'est que je vais prendre mon bullet journal, mon thé et mes lunettes, et je vais descendre dans l'atelier qui est une autre pièce aujourd'hui. Et pareil, si j'avais un appartement plus petit et que tout se passe au même endroit, c'est simplement que j'aurais organisé l'espace différemment, sorti d'autres outils quelque part. Là, je vais descendre à l'atelier, je vais brancher l'ordinateur sur l'écran, et puis je vais commencer ma journée de travail qui va commencer avec... qui va commencer avec une session d'écriture, sachant que ce matin, c'est un petit peu particulier puisque j'ai fusionné les créneaux de routine matinale avec un créneau de création de contenu puisque je suis en train de filmer ce vlog. Du coup, c'est aussi pour ça que ça se termine un peu plus tard que prévu. Là, je crois qu'il doit être 11h du matin. D'habitude, toute cette routine-là, elle se termine grand maximum à 10h. Et je commence mes créneaux de travail à 10h. Là, il y a une heure de plus parce qu'en fait, il y a le créneau de création de contenu qui s'est ajouté à ça. Et venir installer le trépied avec le téléphone, etc., ça prend du temps, quoi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, du coup, sur la petite routine matinale. Vous avez vu comment j'ai renforcé les routines déjà existantes, donc le café avec la lecture, le fait de me préparer avec mes bijoux, etc. le matin, et comment je commence à ajouter petit à petit d'autres choses. Donc là, j'ai ajouté le mois dernier la lecture de non-fiction, le matin après la lecture de fiction et avant le Parle-Singe. J'ai également ajouté le mois dernier le journal de gratitude sur lequel il y a une vidéo pour vous parler du pourquoi, du comment, si ça vous intéresse. Et la troisième chose que j'ai ajoutée ce mois-ci, pour le coup, c'est d'écouter un podcast en faisant 10-15 minutes de rangement, ce qui permet de fusionner un petit peu dans la routine du matin des tâches un petit peu plus domestiques de la vie personnelle. Comme ça, vous avez des exemples assez divers. Et j'ai d'autres idées, en fait, dans mon carnet de vie. J'ai une liste d'autres routines que j'aimerais tester, d'ajouter ou de remplacer d'un matin à l'autre, notamment par exemple une routine un petit peu sportive. Donc est-ce que ce serait par exemple à la place de la lecture de non-fiction un matin sur deux, ou à la place du rangement domestique un matin sur deux, ou est-ce que ce serait quelque part en plus en me levant plus tôt, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, vous avez une idée concrète de comment je fais évoluer mes petites routines. Là, c'est celle du matin, je fais la même chose avec la routine du soir. J'espère que ce petit vlog vous a plu, merci de l'avoir vu jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !